Comment il est? Moi, il est Mulhomme, mademoiselle. Mulhomme à Suisse. Mulhomme, nous besoin au monde. Mais il faut que c'est un monde responsable. Ah, pas de problème ça, même si c'est pour ça, mademoiselle. Je vais mademoiselle. Pas de travail passé. Pour que un bagage qui fait là, nous ne pouvons pas être responsable. C'est peut-être ça, mademoiselle. Nous ne pouvons pas faire notre travail. Non. Où qu'on est? Aïe, je ne sais pas, mais responsable. Eh bien, ok, Milo, ma faire l'eau. Ok? Ok, mademoiselle. Quel phénomène ton postulat de messager? Tu as su qu'il a toute sa tête. Directeur, un peu d'humanité. Les papiers à signer pour le prochain contrat. Moi, ça me donne beaucoup plus envie de pleurer que de rire. Aucun ignorant n'a choisi de l'être. Et si on n'est pas comme eux, c'est une chance. Bonsoir chérie, tu as fait mes commissions? Mélissa, est-ce que tu as pu entrer en contact avec l'avocat? Je l'ai appelé, mais il a dit qu'il doit te voir personnellement. Moi? Oui, ce qu'il a à te dire est peut-être trop important pour ma petite Isabelle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a de si important à me dire au point de ne pas pouvoir t'en parler? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre, madame? Allons donc, Max. Si tu savais qu'il voulait me parler d'autre chose, cela suffirait pour que tu piques une crise cardiaque. Pour qui tu te prends, toi? C'est pas date m'a prélé pour venir de me prendre bagay. Ou pas jamais venu? Ou qu'elle prend pour Lady Diana? Lady Diana? Ou pas trouver un piba? Oui, en effet. Une bien vilaine caricature. Avoue-le, tu me dis ça pour me flatter. Te flatter? Après 27 ans de vie commune, tu le mérites encore. Oh, mon amour. Vite, mon amour. Regardez-moi. I like you. Mon amour. Quel amour. En effet, c'est beau l'amour, surtout entre les gens sincères. Ouais, et puis nous-mêmes, nous ne voulons pas aimer. Pourquoi qu'on ne s'est jamais dit? Puis toi, elle tonne dans des tifis. Tonne? Pour combien de temps encore? Le temps pour toi de terminer tes études. Oh! Oui, mais... Vos frères, c'est pas que du bien. Moi, je dis, nous, bah, c'est à que du bien. Même maman, nous, 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 nous. Il n'y a pas plus mal.
Il est venu avant hier. Ok, bye bye. Je n'ai pas donné visite. C'est ainsi que tu salues le papa? Je salue parce que tu étais au téléphone. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas prêté attention. Viens donc me saluer à nouveau. Écoute, Mélissa, j'ai une question et un cadeau pour toi. Tu fais des choses que seule ma fille ferait pour moi. Dis-moi donc pourquoi. Eh bien, Papido, tu me rappelles étrangement mon grand-père. Tu lui ressembles tellement que je le retrouve en toi. Toi aussi, Mélissa, tu ressembles beaucoup à ma fille. Mais attends-moi. Tiens, prends ce cadeau. Il aura peut-être pour toi peu d'importance, mais pour moi, si. C'est quoi ça? Une roulette. Une Bible? Ok, j'apprécie. Merci. Allô, chérie? Comment vas-tu? Où est-ce que tu es là? Juste à côté. Ok, j'arrive. Ok, d'accord. Bye bye. Je t'ai vu me faire des signes. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais te dire de ne pas trop t'attendre au téléphone. J'ai un ami qui doit m'appeler. Un ami? Je ne te suffis plus comme ami? Oui, mais après toi, je dois avoir d'autres amis quand même. Non, non. C'est moi et moi seul. Oh, oh. Ah, mais bon Dieu, gars, c'est formulé. Bon Dieu, ça, bon Dieu, monsieur cela. Parce que c'est le seul être indispensable. N'oublie pas que c'est lui qui nous enseigne à aimer notre prochain. C'est vrai. Aimer, beau verbe. Toi aussi, tu dois aimer. Ah oui? Mm-hmm. Tu vois ce quoi? Tu dois aimer ton prochain. Mike, pourquoi on est en Goldé là? Moi, j'aime vraiment pas ouais pour qu'ils soient négligés, femmes comme ça. Non, ils sont négligés, non? Bien au contraire. Alix, nous combattons, nous-mêmes garçons, nous ne pouvons jamais réfléchir à lui. Son nez t'a beau Mélissa sous bouche seulement, ma pauvre fille mourir, oui. Et puis, nous-mêmes, c'est pas beau ça. Tu n'es pas loin de te transformer en enfant de cœur. Il y a en moyenne plus de 6 filles pour chaque garçon. Ça que t'as privé si chaque nez t'est contenté à comprendre. En tout cas, Dieu l'a établi autrement. Un homme. Une femme. Un homme, une femme. Qu'est-ce que tu crois? Il a simplement voulu limiter les dégâts. Allô? Oui, c'est moi. Ah, un moment, j'arrive. Guess what? En parlant de la Louve, elle montre son cul. Pas qu'à dire ça l'autre jour. Tu préfères, elle montre ses fesses. Non, ma chère, je veux. Tu ne changeras jamais. Il est comme un lien l'autre jour, je comprends. Non, 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 pas du tout. Quand je suis revenu, tu étais déjà parti. Il y a façon d'y remédier, de me voir. Je suis seule chez moi. Passe me voir.
qui passe là? C'est pas pour qu'il y ait un problème maintenant ici. Je ne comprends pas. Mais nous, on a pas l'autre vol, le vieux, aller danser avec l'autre nègre. Mais c'est un mime. Même si c'est des amis, ce sont des gens qui étaient bien élevés, ou tu as bien dit qu'on va danser avec elle. Oh, quand je suis fréquent. Oh, oh. C'est parce que c'est que tu peux balle en moi qui fait un peu mouvement. Ça va et toi? Ça va, ta journée? Pas mal aussi. Écoute ça, l'amour ne se voit pas. Comment ça, Hans? Tu ne me vois pas? Non, dans ce cadre plus intime. Écoute, viens à la maison, j'ai des poussières de ça à toi. Oh, j'aimerais bien les voir. Le chauffeur doit passer mes points à 2h30 et mon papa n'est même pas au courant. Ton papa? Qu'est-ce que ton papa vient faire dans tout ça? Écoute, dis à ton papa que tu as été prendre une nuit chez un ami et que tu rentres pas taxi. Tu ne peux pas me demander de mentir à mon papa. Il n'aime pas ça. Écoute, laisse-moi arranger ça moi-même et je te donnerai la réponse demain, ok? Anyway, voici le chauffeur, je dois m'en aller. On se voit demain? Ouais. Monsieur, ça va marcher là. Je vais demander au chauffeur de passer me prendre un petit peu plus tard à l'école demain. Disons vers 4h. Mais beaucoup. C'est qu'un ami m'a invité à aller voir des posters chez lui. Il passe me prendre à l'école. Allons donc, ma chérie. Quels est-il souvent d'amis qui passent te chercher à l'école? Dis à ton ami que toute la famille aimerait bien voir ses posters. Également. Papa, s'il te plaît. Écoute, ça va. Il n'est pas normal qu'une jeune fille de ton âge se rende chez un jeune homme. On peut mal interpréter cette visite. Mais pourquoi tu demandes à ton ami de venir à la maison de préférence? Yes, moi aussi j'aimerais voir ce poster. Invite-le à venir ici. C'est mieux. Oui, tu peux entrer. Attends, je vais te prendre une bière. Dis-moi, si de toute ta vie, tu as déjà goûté quelque chose de si délicieux. C'est vraiment bon. Qu'as-tu fait de mon cadeau? La Bible? Papido, depuis mon enfance, à la maison comme à l'école, on me fait lire, apprendre et réciter par cœur des versets bibliques. Ma position, tu la connais déjà. Dieu n'existe pas. Comment un être qu'on dit si bon arrive-t-il à tolérer que des méchants règnent sur le monde? Pourquoi tant de crimes? Pourquoi tant d'injustices? Ne peut-il pas empêcher tout cela? C'est quand même drôle. Tu aimes partager, tu aimes ton prochain. Et ton respect vis-à-vis des gens est la preuve de l'intérêt que tu portes au bon principe. Je crois en ce dicton. On récolte ce qu'on a semé, papido. Attention, il vient justement de celui en qui tu dis ne pas croire. Et merci de ne pas m'étaler cette théorie darwinienne qui laisse croire que nous sommes des descendants du singe. Bon, papido, admettons qu'il existe un dieu. Je suis exempté du sort qu'il réserve aux méchants. Je n'ai jamais tué. L'adultère, pas du tout. Et Dieu ne m'en voudra pas d'avoir un homme qui m'aime et que j'adore aussi. Mon prochain, je l'aime comme moi-même. Non, comme il m'aime. Pour reprendre le dicton, aimer mon qui aimer. Et puis tout ça, c'est le détail, papito. Je ne crois pas en Dieu, ça ne rime à rien. Tu as tort. Tu vois, Dieu a créé l'homme à son image, avec le pouvoir de distinguer le bien du mal. Si nous choisissons de faire le mal, Dieu n'en est pas responsable. Et bien monotone serait la vie s'il devait intervenir dans toutes nos décisions. Bon, papido, vous avez une table liée. Et vous deux, Zao, sans penser de vous. Bon,
Ouais, ça, c'est un sujet continuellement compliqué, qui est délicat tout. Mais, contrairement à ce que vous pensez de vous, en fait, après votre histoire, vous m'avez dit que c'est vaudouisant. Et vous m'avez appelé que vous avez l'heure. Il y a deux messieurs qui viennent de bon côté. Mais il y a un nègre qui vraiment très déterminé. Ouais. Mais je songe que ma tante est un monde qui est très hospitalier. Et puis vraiment, c'est la première fois que ma tante met un monde dehors la caille comme ça avec fracas. Mais ouais, j'aime jouer là, ma fille. Conviction, pam, c'est que le monde fait bien quand on veut. On ne fait mal quand on voulait tout. Papido, qui sont les disciples de Satan? Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, sont-ils des disciples de Satan? Je ne réponds pas à une question par une question, mais je me vois bien obligé de te demander qui penses-tu qu'ils sont d'après toi? Des disciples de Satan? C'est ce qu'ils sont pour toi? Ton jugement est bien sévère, ma fille. Il fut un temps, j'étais comme toi. Je ne croyais pas en Dieu, mais pour autant, je n'étais pas un disciple de Satan. J'étais simplement celui qui essayait de comprendre. Et ma conviction à l'époque, Dieu aurait eu la préférence si je devais choisir entre lui et le diable. Position femme, Mélissa. Le monde qui fait bien, c'est beaucoup de bon Dieu. Le monde qui fait mal, il y a campé contre Satan. Quand il y a le monde qui. Dans l'église, qui finit à Oyo. Alléluia, alléluia, vive l'éternel. Quand il y a plus ça, parce qu'aucun monde qui est dans la rue, il n'y a pas qu'il y a aucun contact à l'église. Disciple Satan, c'est le monde qui fait mal, qu'elle soit gourée le campé. Nous remercions la chorale pour ce si beau morceau qu'elle vient de nous exécuter. Ce matin, nous sommes ici pour glorifier une fois de plus le nom du Seigneur. Mes amis, il y a des gens qui sous-estiment la grandeur de Dieu. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Mais Dieu est toujours le dernier à être consulté. Dieu a toujours des solutions à nos problèmes. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Une dame avait un fils. Ce fils était malade. Elle est allée consulter un médecin. Arrivée chez le médecin, Madame, le cas de votre fils est grave. Je vous conseille de voir un orthopédiste. Le jeune homme risque de perdre le pied. Et si vous n'agissez pas vite, ça peut même coûter la vie. C'est vrai que je n'ai jamais été maman. Mais je peux ressentir la douleur de cette femme lorsque le médecin lui a appris la nouvelle. Cette terrible nouvelle. Cette femme est allée de médecin en médecin. L'y met mal pis loin que ça. Nous comprenons, ça me l'est dit. N'ayant plus le choix, elle s'est résignée à faire couper le pied de son unique enfant. On va procéder à l'intervention, n'est-ce pas? Oui, d'après moi, le membre n'est plus viable. L'infection a provoqué une embolie septique qui entrave la vascularisation. Il faudrait faire une amputation. Ah, thanks. Miss, retournez dans la salle. Vous mettez maintenant.
madame, le cas de docteur, quittez ça quand même, quittez ça quand même. Ok, quittez ça. Mais il faudrait l'amputer, madame. Ça a bien qu'à ma ça. Et au fait, non. Pas capable. Après que ça. Souffle-toi. Éternel papa, non. Qui t'a coupé bien seul, petit garçon, non? Comment on a fait pour te dire son seul pied si je suis malade? C'est mes chéris qui m'ont comme ça, papa. Je suis au bout de moi. Pitié, ma mère, papa. Pitié, ma mère. Il me dit bon Dieu, merci pour guérison. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux? Cette femme avait la foi. Et la foi était guérie, celle petite garçon le te guérir. Amen. D'accord, comme c'est dit. On se reparle. Bye bye. Et si tu me disais comment ça s'est passé avec elle? Ah, très bien. Sauf que je me sens un peu coupable. Mélissa ne mérite pas ça. Tu n'es pas obligé. La prochaine fois, envoie-moi à ta place. Et qu'est-ce que tu vas faire de... Comment elle s'appelle encore ta copine? Sabrina. Bon, bah, qu'est-ce que Bella? Quand t'es Bella, moi, ça l'a réglé. En tout cas, moi, ça va me la faire. Ça, je suis fort. Qu'on est-ce que tu as une place où tu as fait camper? Où est-ce que tu as fait camper? Camper raide. Prélus, nous connaissons. Alors faites attention. Nous ne pas jouer. Nous avons joué 4 sous table. Ma fille, on t'a fait attendre. C'est Frélius qui m'a donné ce retard. Comment ça va? Tu as bien réfléchi? À bien réfléchir, Papido, je pense que je n'y arriverai jamais. Cette sorte de croyance ne va pas avec mon tempérament. Il est même bruit qu'une fois qu'on y adhère, plus de balles, plus de clubs, plus rien. Et moi, j'adore danser, Papido. La musique, c'est ma passion. Quel ignorant insinue de pareilles bêtises? Comme quoi, si tu acceptes l'évangile, tu ne pourras plus danser ni écouter de la musique. Ma chère, crois-moi, danser et écouter de la musique n'est pas interdit. Le compas, le zouk, ce n'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange, c'est le comportement, les excès. Mais la musique, allons donc, ma chère. Moi aussi, j'en raffole. J'aime bien mon petit troubadour. Il y a un problème, oui, Fredo. Elle ne pourra pas, non? Ha!
Parce que la loi est stricte au sujet de la vie moderne. Qu'est-ce qui t'arrive, Frélis? Tu es tombé sur la tête. Quoi? Pourquoi, Fredo? Excuse-moi, mon frère. Tu dois être tombé sur la tête. Pour dire à une jeune fille de cet âge de se priver de tout ce qui pourrait faire plaisir à son cœur sous prétexte que c'est défendu par l'Église. Maintenant, je comprends pourquoi il y a si peu de jeunes dans le monde évangélique. C'est à cause de gens comme vous qui leur font des exigences stupides. Écoute, ma fille. Le fait d'avoir Jésus dans ta vie ne saurait te priver de ses distractions. Cependant, comme un chrétien, tu dois être un modèle. C'est pour ça qu'on a mis des balises. Étant donné qu'il y a des nightclubs et des discos qui sont des lieux publics, qui reçoivent tout type de gens, il y en a qui ne viennent pas pour danser. Ils viennent pour la violence, la drogue, par exemple. Mais dans ce cas, c'est une fête de salon, les gens se connaissent. Entre amis, il n'y a pas de risque, c'est tout. Non, Fred. Ça, pas d'accord avec vous. Frélis. Imam. Qui ça qu'il faut pas d'accord? Non, Fredo. Pas d'accord. Si on a bâti mon évangile là, c'est pour parler bien. Les fêtes pour recevoir l'évangile là, selon les saintes écritures. Selon les saintes écritures, pas vrai, Frélis? Chaque soir, lorsqu'on est tranquille, on plonge à son Jacqueline, on sort jusqu'à minuit. On ne partit dans les écritures qui dit ça. Oh! Quand on joue une bagage à Fredo. Puis t'es occupé bout de bois qu'un jour là. Avant, on veut dire pas égranger petit là-dedans. Fredo, t'allez. Qui l'autre monde qui compte bagage ça? Pas un peu monde. L'église seulement. Je te dis, c'est Jacqueline, nous pas qu'à faire bagaille là comme ça. Écoute, Mélissa. L'idée d'avoir Jésus dans ta vie ne fait pas de toi une prisonnière. Au contraire, tu seras libéré de tes péchés et comme ça, tu pourras aller où tu veux, quand tu veux. Mais tu n'oublieras pas qu'un serviteur de Dieu est toujours un modèle. Il doit modérer son langage, avoir une bonne conduite. Oui, mais Papido, je suis bien là où je suis. Tu ne vas me demander de changer de religion. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé cela. Ton église, c'est toi, c'est ton cœur. Il te faut tout simplement une assemblée de prière. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit l'Éternel. N'est-ce pas, Frédéric? Oui. Certes, je suis convaincue, mais je pense que ça mérite un minimum de réflexion. Ok. Es-tu disposé à prier avec nous? Ô toi dont les bienfaits ne te reviennent, ô Dieu de paix, guide nous. Indique-nous la direction à prendre. Bienvenue, c'est une personne, et ne voit aucun inconvénient à s'agenouiller devant toi, à t'adorer. C'est un grand pas vers l'accomplissement de ton œuvre. La posteur, merci. J'arrive. Maman, voici la posteur. Hans, dis-moi, jeune homme, d'où t'es venue l'idée d'inviter ma fille chez toi pour voir des posters? Oh, on pensait travailler les mathématiques aussi, monsieur. Ah, les maths. Seulement les maths. Fais attention, jeune homme. En dépit de son apparence, ma fille n'a que 16 ans. Merci, Hans. Tu me l'aides, Hans? Bien. Écoute, chérie. Lorsque une institution internationale fait un décaissement au profit du bureau, au nom de qui est émis le chèque? En ce qui nous concerne, c'est Mike qui endosse cette responsabilité. Bien, je comprends. Si par hasard, il a un accident, je voulais dire un empêchement, tu pourrais aller vider le coffre. Tu t'imagines? $250,000 verts
C'est pas mal quand même. Tiens, provoqué cet accident. Quoi? Dis-moi que tu plaisantes. 250 000 dollars ne peuvent pas acheter une vie. Oui, mais ils peuvent t'aider à bâtir une vie. Bâtir, mais très mal en tout cas. Oui, mais bâtir quand même. Accorde-moi la chance de me montrer par un signe que tu es là, que tu es vivant, que tu existes. Accorde-moi la chance de me montrer par un signe que tu existes. Je suis là. Quoi, ma chère? Bon programme l'église là. On a les noms, sans penser. Madame Aressa. Oui, baguette à vous perdu. Mélissa, ou baguette à vous perdu. L'église. Ma chère, tu vas avoir une raison, t'as dit? Conseil d'abord ou on a les. Le message d'aujourd'hui nous parle de Joseph et de ses frères. En vérité, je vous le dis, Dieu a créé chacun de nous avec la liberté de croire dans son existence ou de ne pas croire, avec la liberté de le servir ou de ne pas le servir. Demandez à Dieu de prouver son existence relève de l'ignorance et de la vanité. Frères et sœurs bien-aimés, la nature autour de nous, dans ses bienfaits, dans sa discipline, dans toute sa splendeur, n'est-elle pas la preuve de l'existence? Je comprends. Quel est ça que je parle là? Imaginez au matin, je vais prier ce mental. Ma petite école, je vais dehors. Il n'est pas un exhibitionniste, encore moins un one-man show qui se donne un spectacle sur commande. Vous voulez une preuve? Allez vous regarder dans un miroir. Vous avez été créé à son image. Vous êtes sa plus belle réalisation. Grand est le pouvoir de l'homme quand il accomplit le dessein du Très-Haut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment ça rien? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Écoute, tu n'as rien dit concernant ma proposition. J'ai parlé à Mélissa, elle m'a fait savoir que je suis encore là, que je dois attendre. Attendre pour combien de temps? Oh, le temps pour moi de terminer mes études. Oh! J'ai eu moi aussi cette même réaction. Ma soeur est très formelle. Mais... quand je suis avec toi, je me sens comme un paradis. Ah oui? Je voulais te dire la même chose, mais j'ai hésité parce qu'on dit qu'il faut mourir pour aller au paradis. Comment tu as peur de mourir? Moi, je suis plus peur de souffrir, tu sais. Ah oui? Oui. Ah, tu n'as pas peur de mourir? Non. Eh bien, je vais te tuer. Non, 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 non. D'amour. Je te trouve plutôt rire, non? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Rien. C'est peut-être le cas de tous ceux qui croient avoir Jésus en eux. Dis, tu aimes Jésus? Jésus. Oui. Et si comme tu le prétends, il est en toi, je t'aime encore davantage.
Allez. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les maths. Les maths. Enfin, tu as trouvé un moyen de te débarrasser de papa pour qu'il te laisse venir ici seul. Il faut dire que j'ai négocié un tas de choses. Je lui ai même promis de tout raconter à mon retour. Pourquoi? Es-tu obligé de tout raconter à ton papa? Non. Ah, voilà qui est message. Mais s'il me demande... Écoute, Hans, tu ne peux pas me demander de mentir à mon papa. Il me dit souvent qu'un mensonge entraîne un autre. Imagine-toi qu'il m'appelle, il me demande où je suis. Je lui dis chez Molly. C'est un mensonge. Qu'il me demande qu'est-ce que je fais chez Molly. Je dois lui trouver un autre mensonge. Autant de questions, autant de mensonges. Le mensonge, je l'ai dit, Hans. Je ne suis pas belle, mais je ne veux pas être laide non plus. Ne dis pas ça, mon amour. Tu es très belle. Vas-y, mais... Et puis, c'est pas la fin du monde. Excuse-moi, ma fille. Viens te parler. Assieds-toi, papa. Vraiment rien de spécial. Sinon, j'ai noté un certain changement chez toi. Je ne vais pas trop me mêler de tes affaires, mais dis-moi, ma fille chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, papa. Depuis des jours, je ne fais que méditer. Si quelque chose n'allait pas, je te l'aurais signalé. Tu le sais, papa. Mais qu'est-ce que tu lis là? Les Saintes Écritures, la Bible. Oh, bien bonne lecture. Mais ne laisse pas tes méditations t'isoler de tes êtres chers. Nous lisons tous la Bible dans la famille, mais personne n'a jamais eu jusqu'ici ce genre d'attitude. J'espère qu'il ne me sera pas interdit de toucher aux Saintes Écritures. Oh non, non, ma fille. Depuis ton enfance, tu étudies la Bible. Je ne vois pas pourquoi cela devrait... entraîner une différence entre nous. Mais l'excès t'ennuie, mon enfant. Tu dois te quitter. Papa. Mike. On est que gâté, ça, dans la rue, hein. Là, je n'ai pas jamais passé cette charge avec j'ai stupide, là-même. Imagine, on a rampé, bloqué circulation, tout le monde a plaqué son aile, comme si de rien n'était. Et puis c'est en premier qui a demandé pour me respecter. Je me finis de descendre mal. Chut! Il faut faire attention à ce que tu dis. On nous écoute, tu sais. Qui nous écoute? L'Esprit Saint, mon cher. Ah. L'Esprit Saint à travers Jésus. Attends-moi, j'arrive. L'Esprit Saint. Il y a le problème avec Joseph, là, oui, là. L'Esprit est beaucoup enceinte seulement, lui-même. Dis-moi, chérie, as-tu déjà donné une petite place à Jésus dans ton cœur? Ça vaut la peine d'essayer. Crois-moi. Ça me découvre assez ça. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Bonjour, papa. Bonjour. Ça va? Mais dépêche-toi, c'est toi qu'on attend pour manger. D'accord. Tu n'as rien remarqué? Depuis quelque temps, Mélissa n'est plus la même. Ne t'en fais pas. Le nécessaire sera fait avant qu'il ne soit trop tard. Les normes familiales exigent que nous dînions ensemble le dimanche. N'est-ce pas, Mélissa? Oui. Et pourquoi se maintenant aujourd'hui? Je m'excuse, papa. Pour éviter tout ça, je vous suggère de dîner sans moi la prochaine fois. Pardon? Mais je reviens de l'église. Je ne pouvais partir avant la fin de la cérémonie.
Ok, ça passe aujourd'hui. Mais la prochaine fois, prends garde à toi. D'ailleurs, dimanche prochain, c'est moi qui t'amènerai à l'église. Ça alors, c'est la première fois que j'entends ça dans cette maison. Même dans les circonstances les plus drôles, tu me laisses toujours décider seule. Et voilà qu'aujourd'hui, tout a changé. Cette attitude ne te ressemble pas, père. Grand monde, une attitude, moi, plaît. Non seulement tu nous fais attendre, maintenant, tu te moques de nous. Je ne vois pas la raison de tout ça. Mais toi, dis ce que tu regardes, toi. Tiens, mais je t'apporte à manger. Je ne vais pas manger. Pas faire ça, non? Ou qu'on t'a parlé? Laisse-le avec sa crise et ses coups de colère. Et puis, si tu veux me tourner à manger, à ma pointe. On allez. Oh, oh. Je ne comprends rien, Papito. Je me suis disputée avec mon père. C'est la troisième fois en une semaine. Au bureau, c'est la même chose. La collègue me trouve différente. Mes amis disent ne pas me comprendre. Sache qu'il n'y a pas de rose sans épine. Toutes ces contrariétés sont pour tester ta conviction. C'est à toi d'être vigilante. Je sais que les choses vont se détériorer davantage quand j'apprendrai à mon père que je dois partir en mission dans le sud. Ma fille, il est écrit, si tu abandonnes ton père et ta mère pour moi, je ferai mon esprit habiter en toi et tu seras à jamais soulagé et consolé. Ils m'ont donné la vie. Je leur dois respect. Penses-tu que mon attitude est correcte? Il m'était possible de remplacer mes parents. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout ce qu'il fait est bien. Il n'est pas donné à tout le monde de bénéficier de sa grâce et de le servir sincèrement. Ouvre ton cœur. C'est de là que partira la vérité. Que la paix de Dieu soit avec toi, ma fille. Moi, je ne m'en dirais pas ce médecin. Depuis quelque temps, elle s'est fourrée dans une affaire d'église, de mission. J'en ai marre, j'en peux plus, moi. En fait, comment ça, boy, là, je ne vais pas dire par le taffeur, là. Mais en place, où, c'est brillant, d'abrié. Si vous connaissez qui ça, mesdames, vous avez entré tête, vous savez, juste que tu as dit bon Dieu merci. Pas comme deux jeunes, on est jeune. Vous savez, c'est un bel grand monde. Un grand monde. Et mon ballon, tu es dans vos destins. Monsieur Fouchard. Ouais. Mon congé, s'il vous plaît. Mais Mélissa, ça fait longtemps que vous m'avez parlé de congé. C'est vrai, mais j'ai décidé de faire du tourisme local. Ah. Je vais plutôt participer à une mission. Une mission? En deux ans. Ok, chérie. Je prends mon congé moi aussi. Et on part pour Paris. Il y a des tas d'amis qui nous attendent là-bas. On n'aura absolument rien à dépenser. Non, Mike. J'ai donné mon mot. On a toute la vie pour voyager. Je vais consacrer un peu de temps au Seigneur, tu comprends? Tu as donné ton mot, sans me consulter. C'est parce que j'avais la conviction que tu en sacrais. Eh ben, je te dis que non. Ok? Et puis que ça soit à Paris, que ça soit à New York, tu peux faire ça n'importe où. Aller jusqu'à Jacmel, dans une chajac ragée où tu ne seras même pas en sécurité, c'est de la folie. T'en fais pas, Mike. T'en fais pas.
c'est tout ce que tu trouves à dire. J'ai fait des tas de planifications et c'est ça ta décision. Je n'ai pas le choix, Jean. Tu n'as pas le choix. En tout cas, je vais te dire une chose. Ce n'est pas une suggestion que je te fais. Ce n'est pas un ordre non plus. Mais tu dois choisir. Mike! Mike! Seigneur, me voilà obligé de choisir toi et l'homme que j'aime le plus au monde. Je remets tout en tes mains. Je suis convaincue que tu vas me montrer le chemin. Voyage au sud de moi. Pas que ton crème, je fais sauter ma tête. Mélissa! Tu ne laisseras cette maison qu'à la seule condition de ne plus jamais y remettre un pied. On a tout fait pour essayer de te raisonner. Mais toi, tu n'as fait qu'à ta tête. Mélissa, tu connais ton père. Obéis donc à ses ordres. Tu ne peux pas aller seule si loin. Tu sais que c'est dangereux. En plus, tu travailles. Maman, toi aussi? Ah non, c'est pas vrai. Tu peux pas comprendre. J'ai donné mon mot. Ma décision est prise. De toute façon, c'est pas la fin du monde si je ne remets plus les pieds ici. Chérie, tu es sûre de ce que tu fais? Tu es jeune. À ton âge, on n'abandonne pas ici ses parents. Tu veux laisser des activités professionnelles? Non, maman. Je veux profiter de mon congé pour faire quelque chose d'inhabituel. C'est tout. Ah, toi, tu peux tout dire à ton papa. Pour moi, c'est le contraire. Si je lui confie quelque chose, c'est des injures à n'en plus finir. Je n'ai personne pour m'écouter à la maison. Mon papa me dit toujours qu'il est mon meilleur ami et qu'il a des conseils qu'aucune amie de mon âge ne peut me donner. Voilà un beau papa. Si tous les enfants du monde pouvaient avoir un père comme lui, nous ferions moins de bêtises. Mon père lui ressemble à celui de Sarah. Avec la seule différence qu'après s'être confié à lui, je peux très mal m'en tirer. Papa m'a mal côté pour me dire j'ai été chez un ami, on s'est embrassé, c'était bon. Après conversation finie, d'abord sorti à deux ou trois ralentisés par plus. C'est fait. Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses me demander? Écoute, c'est à propos de la fille, je m'excuse. C'est une amie de ma sœur. Pourquoi c'est l'amour de God, c'est une amie de ta sœur? Et même si c'était ton amie? Non, avoue que tu as une drôle façon d'accueillir les amis de ta sœur. Bon, ok, je te promets que je ne vais plus recommencer. Sarah! Va venir ou même là? Jamais je n'aurais cru qu'elle m'aurait laissé tomber après mon ultimatum. Je l'ai fait pour l'obliger à revenir sur sa décision, mais ça n'a pas marché. Elle est partie pour combien de temps? Je ne sais pas, peut-être... un mois. Je ne sais pas, je ne suis pas habitué à ces histoires-là. Waouh, un mois de plaisir, tu es un homme riche. T'as rien compris. Je lui ai demandé de choisir. Et puis... Elle m'a laissé tomber. Quoi?
suis seul maintenant. Alors, vive la vie. Une de perdue, 10 de retrouvée. Amuse-toi et sans retenue, mon frère. Amuse-toi. Je ne sais pas si vous avez un livre, c'est pour ça que j'ai ton machine neuf pour vous. Bon, je crois que c'est la famille qui connaît. Qui sont des pour vous? Qui sont des pour vous? Qui sont des pour vous? Je ne sais pas. Non, Tintin, pourquoi ça m'a tout aimé pour lui? C'est pas pour être pris volé. Mioude. Hey! Attends, moi, je vais finir. Pour tout sacrifice que m'a fait pour vous, c'est mouvement ça pour mettre moi. Hein? Oh, oh. Non, mais c'est. Hein? Ça capte pour là. Je vais regarder. Je vais déranger moi. C'est un nom de ça tout. Vous ne connaissez pas. Chérie, il fait mal. Je vais vous mettre lui. C'est pour te remettre lui cool. Regarde que j'en mets ça. Il casse un problème. Pour casser l'autre, à tout. Après, ça coûte de glace pour moi. Vous avez un problème? Bonsoir, monsieur. Je connais ça me fait pas recommander, mais mon difficulté. Vous pouvez déposer un bureau? Ah, vous avez de la chance, mademoiselle. C'est un honneur pour moi de vous déposer. Je suis Mélissa Duplan. Moi, je suis maître Verlin Victor. Mais je ne m'attendais pas à trouver une si belle âme dans un endroit aussi dépeuplé. Serais-je indiscret de vous demander pourquoi vous voyagez seul en ces lieux? Je vais à Marigot pour une mission évangélique. Le camion dans lequel je voyageais est tombé en panne. J'ai donc décidé de continuer à pied. À pied? Mais dites-moi que vous plaisantez. Vous risquez de marcher toute la nuit. Ben, vous savez, Satan essaie toujours d'interrompre l'exécution des œuvres de Dieu. Très intéressant. Très intéressant. Il faut dire que je ne devrais pas non plus me retrouver ici. Dieu arrange toujours les choses en faveur de ceux qui croient en lui. Combien de kilomètres me reste-t-il à parcourir pour arriver là-bas? Ah, très difficile à évaluer. Vous risquez d'arriver très tard dans la nuit, alors je vous conseillerais de passer la nuit chez ma tante. Et comme ça, demain très tôt, je pourrai vous déposer. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Montez, je vous en prie. Maggie, j'ai suivi ta conversation l'autre jour avec Alix. Tu penses que c'est correct? Ça risque de très mal tourner. Cynthia, thank you. Thank you, Cynthia. Si j'ai besoin de moraliser, c'est le dernier monde qui t'a venu dans la tête. Et puis avant que je n'oublie, je trouve que tu es trop familière avec mon homme, ok? Chérie, fais-le pour moi, non? Ou pas qu'à refuser ça. D'ailleurs, toujours là pour m'exécuter toutes ces caprices. Comment, Maggie? Tu as tombé sur la tête? Je dis non. Tu n'as pas trouvé mieux à me proposer. Chérie, c'est pas façon la cocotte. C'est mon sens à au fond pas passé. D'ailleurs, je connais son monde. Ou pas qu'il y a des bagailles pour faire, non? C'est moi qui ai fait toutes les bagailles net, oui. Tu ne me crois pas capable de le faire? Ou pour rien? C'est moi qui ai fait toutes net. Oui, mais je me sentirais coupable au même titre que toi. C'est d'ailleurs moi qui t'ai mis au courant. Si je n'ai pas dit rien, toute l'idée, ça ne va pas bien me monter dans la tête. Chérie, quoi veux-tu en faire, madame? Des gens disparaissent à longueur de journée dans ce pays. Et personne ne met la main au collet des assassins.
la terre ne s'arrêtera pas de tourner pour si peu. Merci. Je peux encore vous offrir quelque chose? Non, ça va, merci. Ok. Votre attitude témoigne d'un profond respect pour les autres. Ordinairement, ce sont des gens qui éprouvent la crainte de Dieu qui agissent de la sorte. Bon, ce n'est qu'une question d'éducation. Je suis né et j'ai grandi moi aussi dans une famille chrétienne. Cependant, je me suis écarté des préceptes de l'Église à un tel point que je peux dire maintenant que je me suis complètement éloigné des choses spirituelles. Pourquoi un tel revirement? Vous ne devriez pas? C'est une longue histoire. Il faut cependant reconnaître que tout ce qui est imposé conduit à la révolte. C'est un grand tort que les parents chrétiens font à leurs enfants. Moi, j'allais à l'église par peur de punition, par obligation, que par volonté ou par amour de Dieu. Personne ne cherchait à édifier mon âme, je ne sais pas pourquoi. Pour mes parents, c'était pas important. J'étais un enfant. Et j'ai grandi comme ça, avec une certaine liberté. En matière de religion, mon cher, les hommes doivent se reprendre. Mon petit ami, par exemple, il ne voulait pas que je me rende à cette mission. Il m'a même posé un ultimatum. Choisir entre lui et Dieu. Je ne l'approuve pas du tout. Je ne l'approuve pas. Choisir entre lui, le temporel, le faible, et Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Non, il n'aurait pas dû vous demander une chose pareille. Il a peut-être agi sous le coup de l'émotion. C'est un type bien. Un type bien? Un type bien ne réagirait pas de cette façon. Moi, à sa place, je ne vous laisserai pas. Je ne vous ai pas dit qu'il m'a laissé tomber. Oh, c'est tout comme. Vous savez, la nature a horreur du vide. Il faut appeler un chat un chat. En partant comme ça, il a coupé les ponts. Écoutez, je ne veux pas associer Dieu à notre situation, mais ce n'est pas un simple hasard qui nous a mis sur le même chemin. Dieu a fait des merveilles dans ma vie et s'il veut vous ajouter à la liste, ce serait extraordinaire. Dans l'exercice de mon métier, j'ai rencontré beaucoup de femmes, de très belles femmes. Mais aucune d'entre elles ne m'a autant imprégné. Excusez-moi, je reviens. Seigneur, sois femme là. Quand ton jeune qualité garçon, ça veut me mettre devant là. C'est ma femme, Mike. Victor, vous avez eu le temps de dormir? Je n'ai pas passé 10 minutes dans les toilettes. Ouais. Je comprends pas. Mélissa, j'ai vraiment envie de dormir. Vous devriez dormir vous aussi. Vous savez, on doit se réveiller tôt demain pour prendre out. Victor. Je suis sûr que non, mais
C'est pour ça que j'utilise ce moyen. Ah, elle est assez exigeante. Bonjour Mélissa, à partir d'ici c'est moins dangereux. Tu auras le temps d'arriver avant la nuit. Merci. Ouais. Dieu te le rendra. Je... Peut-être qu'un jour on se reverra. Je l'aurais souhaité. Allez, bye. Bonne route. Merci. Pour M. Bourgeois, qu'en est-il? On a reçu 7 caisses sur les 10, monsieur. Quelles sont les affaires des 3 autres? C'est le directeur adjoint qui s'en est occupé. Ah, tiens, le voilà justement. La livraison de M. Bourgeois. Ah, je viens juste de lui parler. Le nombre est exact. C'est lui qui s'était trompé. Formidable. Je tiens à ce que nos clients soient bien servis. Évidemment. Ça passe au patron d'un club d'AS. Ah, me font vieux rêve, bien sûr. Ça dérange. Qui rêve ça? Moi, j'aime rêver. Ma marche avec Mélissa, puis on est qui décide de mettre en mur entre moi-même et lui-même. Tout ça me fait pour empêcher de monter mur quand même. Et puis son nez qui vient avec contracteur qui crase les murs. Mike, c'est sérieux, faut briller fort, oui. Ben, ça est mauvais signe. Ben, de là, qui doit rentrer la carrière? L'heure habituelle, 8h. Oui, ça. Regarde, si tu es quand tu es un petit Jean Pibon. Si tu es capable d'entrer du tout le tapis, bon, parce que, comme dit, moi-même, tu me fais un mauvais rêve. Maïf, l'autre jour, moi, Fabio, là, man. Pourquoi on est malgré la connexion, c'est pour la demander, man. Ben, t'as qu'à en famille. Papa, frère, cousin, Bobel. Oui, allô. Pourquoi je parle à Alex, s'il vous plaît? Allô. Ah, ou déjà qu'on positionne ce dossier. Relais ma guille parce que moi-même, bah, ça vraiment pas intéressé. Non, non, non. Pito check à ma guille pour bah, ça. Pito check à ma guille. Ok, ok. Fait quoi, c'est qu'on voulait?
Maggie, quittez ça. Quittez ça. Quittez ça. Maggie, ma travaille, tu m'as bon toute l'argent. Mm-hmm. Ma bon même courage travail, ma Maggie, mais tant pis. On va quand même la machine, non? Stoppez à moi. Ok, bon, on va régler tout le bagage. Vous êtes sûr de ça? Ouais, on va des nouvelles bientôt. Mon ami, vous campez exactement devant la barrière. Excusez-moi, brother. C'est un monde qui m'attend là et puis un petit cabiche après. Ok. Vous voulez me faire un petit bac pour? Yeah. Belle voiture. Allô? Non, chérie, je ne vais pas faire ça. C'est la police. Tu as fait fouiller dans la zone comme tu as. Et. Je ne vais pas être trop. Ou qu'on n'aime pas, je ne fais pas manquer. Assoir, après, ça quand même. Ok? Relax. Ok. Get! Et qu'on y a un bain menti. Bon, ok. On va faire. Max? Oui. Depuis des jours, on est sans nouvelles de Mélissa. Peut-on tolérer pareille situation? Si tu ne l'avais pas engueulée, elle ne serait pas partie comme cela. Nous saurions au moins où elle est. Je commence sérieusement à m'inquiéter. Moi, je n'ai aucune inquiétude pour Mélissa. Elle a fait son choix. Elle est une adulte, elle fait ce qu'elle veut. Tu ne trouves pas que tu es trop sévère envers elle? Et puis, quand tu piques tes crises, personne ne peut t'arrêter, ni te ramener à la raison. Marie-Alice, qu'est-ce qui te prend? Tu as attendu près de 15 jours pour me faire un reproche sur une décision prise. Vraiment, je ne te comprends pas. Je suis sa mère et j'ai le droit de m'inquiéter.
Bonsoir, madame. S'il vous plaît, je vais vous côté pour passer une nuit là. Je vais loin. Je ne vais pas arriver. Je vais payer, oui. Bon, ici, là, pas de bail comme ça. Ou qu'à dormir ici, là, on va payer pour ça. Oh, merci, madame. C'est qui que tu prends pour marcher là comme ça? Ou même me chercher. Moi-même? Et qui est-ce que vous voyez? Papa, ou? Papa, nous toutes. Papa, mais papa, c'est diable dans la vie. Diable en bas, Saint-Bazoulou. Qui pas j'aime quitter ou venir chercher personne ici, là. Ou qu'elle est fatiguée? Je ne sais pas une démonstration. Annaline. Merci, madame. Mais, nous prenons, les manger, tout manger. Allons, belle bœuf, papa. Demain matin, mettez-le dans le bœuf pour nous voyer le port au prince. Oh, oh, où là toujours? Mais oui, nous t'es fatigué en pile. Vous connaissez demain, bralé? Quand tu livres de baoua, faut aller le louer, t'entends? Oh, attendez là, ça que là? Qu'as-tu causé? Qui s'allie? Tu dois pas brûler. Eh bien, tu dois pas te fumer, hein? Tu dois pas bon. Oui, tu dois pas bon. Tu dois pas en forme. Tu dois pas en forme. Oui, tu dois pas en forme. 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 Tu dois pas bon. On va y continuer. Tu dois pas bon. Avance, gars. Tu dois pas bon. Si t'es bon, ben fais ta fini. Va respecter la couche en gros. Hein? Tu dois pas bon. Tu dois pas bon. Et moi-même, regardez, on va faire. Al mettre la famille l'autre pour voir la ville. Je veux que je connaisse la cour ici, pas la cour ici encore. Bichoum, papa. Bichoum, bouton du papa. Mais, bouge-le. Parce que le l'abdomen, bouge-le. Ok, papa. Allez, garçon. Ok, papa. Thank you.
Vous pas ça de la mort, hein? Votre ami vous a sauvé la vie. Ami? C'est pas votre ami? Ah, le voici. Enfin, tu es réveillé. Tu commençais sérieusement à m'inquiéter. Ça va mieux? Oui. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Voilà. J'aurais pu être à ta place. La vie, c'est comme ça. On doit s'entraider. Mélissa! Mélissa! Où faut? Où faut? Moi, je suis là depuis 30 ans. C'est la première fois que je suis là. Qui ça? Ou pas pour qu'on ou t'es un gros fossou. Je suis prêt pour une bonne valeur comme je pour que je sois servi, pour me prendre, mettre sous sa main. Solange. Ça m'a servi en suffit pour vous. On pas besoin d'en rien avec elle. D'ailleurs, il c'est un homme qui est très jaloux. Mais mettre la croix tremble le matin, oui. Pourquoi jamais on baille comme ça? Eh bien, Solange, c'est même mon ça. Il voit un bon message là. Où est-ce que vous jouez? Où est moi-même que vous regardez là? C'est mon travail pour mon église. Pour faire business sur le marché. Les affaires au fin marché, vous tournez vite payer. Solange, vous parlez de mon l'église. Soit dans le livre, vous pouvez le saluer personnel. Tournez dans la cour, vous avez un message là. Vérité à ce seul grand là. Pourquoi vous avez assez force pour m'entrer dans ce que vous avez demandé là? Vous n'avez pas même demandé qui j'aime gérer mettre la cour. Ou à demander pour mal parler avec l'autre monde. C'est la mort tout de suite, oui. Ou pas besoin d'inquiéter, Solange. Pas de condamnation pour les gens qui choisissent faire bien. Pour les gens qui observent Jéhovah. Et puis, je t'ai oublié de dire, l'or est un moment difficile. L'or n'est pas clair, ni devant ni derrière. Mon clé, c'est Jésus sauvé. Ah, pourquoi je prie pour bagay ça? Ou je fais à son gros dossier. Non, ouais. Esprit bouleversé, pas tant d'impaouet. Ça passe au diable. Ou un problème? Oui, un problème. D'habitude, l'aime toucher pour me trouver au monde que l'y fait, que l'y pas fait, je vais remettre comme ça. Mais, je vais manger comme ça. Je ne vais pas trouver au monde qui sauve la vie. Et je vais toujours ça. Ton éboulement sain. Si on branche cheveux tombé dans tête monsieur, m'a touyé ni ou même ni Maggie. Vous comprenez? Léon, vous déjà en position dans bagage ça. C'est pas moi pour vous, c'est Maggie dans. Écoute. Tu remettras ça à Maggie. De ma part. Tu le diras que c'est le retour de la balance. De la balance. De la balance. Tellement Solange! Solange! Annette, je connais, je ne pas si y a des bagages qui sont ici. Mais pour ça, moi, petit petit, ça régler sous nous. En tout cas, faites très attention pour ne pas avoir des bagages ça non mais moi. Je ne sais pas si petit ça sorti pour te venir avec des bagages ça non mais. Et surtout, mon y a plein, yo dit. Yo pas comprenant rien, yo attitude ou changer. Mon cher.
Hey, pas faire mal comme ça. C'est pas pour faire petit choual qui est avec moun. C'est pas sous moun ça m'a aimé à vola, oui. Quand tu mets des pieds devant sous moi, moi t'en prie. Quelle est cette histoire de balance que Léon m'a chargé de remettre? Calme-toi, chérie. Léon t'a son bagage même, il va te faire payer. Payer qui ça? La balance. Pour qui tu me prends, Maggie? Pour un imbécile? Qui sort un bouffon? Entre nous, ne me dis pas que tu t'es mis en tête que j'ai couché avec lui. Pour ta gouverne, je t'ai signé qu'il n'y a pas du tout mon genre. Donne-moi ça, je vais m'en occuper. Maggie. Qu'on doit aller? Chita! Attendez, non. Ça me fait avoir là, c'est un bagage confidentiel. C'est pas ni Zamon ni Koutola que tu fais me faire. Je ne vois pas. C'est pas français que je viens parler avec vous. Bien sans goût de remettre Alex là pour qui ça. Si je t'ai fait payer, vous sortez jeune, non. Parce que ça seulement t'a payé. Il n'y a pas prétendu. Je n'ai rien précisé, Alex. Oui, mais il a tout compris. À ses yeux, je suis une prostituée. Bon, il y a une différence. La prostituée le fait pour subvenir à ses besoins. Parce que toi, tu détruis la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas pour t'enrichir. Tiens, tiens. Un assassin qui me fait une leçon de morale, c'est jamais vu. Je ne suis pas un assassin. Je suis un professionnel. Éliminer un salaud pour moi, c'est rendre justice dans un pays où la loi est méprisée. Tandis qu'au même, où sont salauds. Le Alex raconte pour qui sauver tuer jeune flâneur quand même, non? Alors j'ai compris que tu es une vipère. Vipère? Et pas tirer, moi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin de formation. Au sommet de l'actualité, un jeune homme a été retrouvé mort chez lui. Alex? Oui. Tu peux continuer ton travail pour le décaissement? Maggie, je ne pas avoir. Ou qu'on l'ait en dit, si on prend un cheveu dans la tête, Mike, craché, la petite ni moins. Ce petit problème est déjà résolu. À l'heure actuelle, il doit être en train de franchir les portes de l'enfer. Maggie, attendez. En ce qui concerne Mike, je m'en occupe personnellement. Oui, mais Maggie, pourquoi tu t'acharnes contre lui? Mets le rapprocher. Un jeune homme a été retrouvé mort chez lui. La victime a été atteinte de 2 balles en pleine poitrine. Un billet de 100 gourdes a été également retrouvé sur son corps. Selon les témoins, il pourrait s'agir d'un crime passionnel. La police, quant à elle, annonce l'ouverture d'une enquête. Restez branchés, mesdames et messieurs, on vous revient après la pause. Non, ma chère bombe de bol, ouais, c'est ça, ma voix, c'est ça que notre tête, tout ça. Non, qui ça? Non, ouais, où vous vite quoi, maman? Où vous vite tomber avant? Fais-moi guider là! Ah, ça, Léon, ton cas est sans précédent. La balle s'est logée à 1 cm du cœur. Il n'y a aucune explication scientifique à la trajectoire du projectile.
Pour moi, ça tient du miracle. C'est véritablement un message. Pardon? Non, c'est pas vous. Donc, je dois définitivement changer de métier. Solange. Pas comprendre nous-mêmes. Ma chère Annette, des petits petits ça a fini passer Borisite là. Moi perdu confiance en mon Borisite honnête. Solange, au connon son c'est vraiment pile. Faites attention, oui pour moi n'est pas arrivé. Faut me réfléchir. Oui, Solange. Pourquoi est-ce que tu as une mauvaise idée d'entrer dans ta tête comme ça? Annette, Mélissa t'a dit un bagage qui a attiré l'attention de ma pile. Il t'a dit, c'est le roi qui nager l'empêcher. Ça, elle t'a fait une couvrir. C'est là ça au besoin Jésus. Bah qu'on est, bagaille ça a ma pile. Mes amis, ma principe est dit c'est non frère. On va le faire lumière pour eux parce qu'on a un problème. On va passer 11 secondes pour un bague. Demine tout petit bien. J'aime pas faire rien. Et si mon seul bague est à reprocher, c'est seulement pas bien assez courage pour une bonne position pour faire. Pas bien courage. Et je veux dire, si je suis mort, je vais mourir pour deux toujours, pas oui? D'accord. Et je crois que tel que soit le sentiment, on est, il ne faut pas quitter le forfait. Et ce comme ça, tu n'as pas des grilles. Dis-moi, il y a des gens qui sont à côté. Je pense que tu passes trop tard pour réfléchir à ça. Je vais pas taper là, je veux dire, vous expliquer tout ça. Moi, remarquez, ou pas participer. Ma séance encore. L'autre jour, on va faire une interpellation. Un faux pas qu'à faire. Ces dernières observations font donner. Solange. Annette, je sens que place moi pas ici là encore. Oh! Besoin d'un monde qui peut faire la femme grandir. Qui ça? Ordinairement, papa pas qu'on menace ces monde. Si la femme bagaille, il fait le fini. C'est papa, qui est papa m'a c'est peu chachon à PC FM. Hey! Solange, situation ça a un problème. Il fait comme serré. Gon bagay qui peut arriver. Même pas qu'à ouais ça lié. Annette, pourquoi vous pas prendre même direction avec moi? Me senti me gon force et me pas peur. Moi me peur. M'paix pour moi, m'paix pour vous.
Slovaquie. Allô. Yo, mon invité au vin la Kaili. Ou pas même compte qui monde et au vini. En fait, je l'offre à mon enfant là, moi, on le fait dans le cœur. Mais je n'ai pas peur d'être violée. Tu as vraiment le sens de l'humour, Mike. Ah oui. En fait, c'est Béa, l'infirmière qui était au chevet de ton ami à l'hôpital. Quand vous en bagaille. En fait, quelque chose à boire. Pas chaud ou même. Fait chaud. Son téléphone dans mon boulot, besoin de l'occasion, il est toujours occupé. Ça, la Kali même a sonné sa réponse. Allô? Hey, qui fout tout? Sûrement c'est cousin là. Cousin là. De bon être jaloux comme ça, non? Ouais. Mon cousin, il a eu la même réaction à tout. Mais où tu vas? Mike! Oh, garde j'en fais me saisir. Capable son croisement? Croisement? Quelle action ça? Ou qui t'aime nos cailles pour contre moi? On compte son sanglant d'eau. Seigneur, elle a oublié le mot de passe. C'est elle, mon enfant. C'est elle qui a choisi. Elle m'a seulement demandé de veiller sur ses enfants. Je sais que tu le vois, ses pensées. Elle a peur. Elle est émue. Mais... Je comprends tes appréhensions. Mais n'oublie pas. Il n'y a que sa foi qui puisse la sortir de là. Assiste-la. Raffermis sa foi. Jésus, sauvez! Oh oh! M'gué l'âme vivant. Hey, petit garçon. Où est-ce? Oh, madame, ça fait la garde de ma de Simuel. Comment faire qu'on est? Dès que c'est nous-mêmes qui pouvons amener pour te bailler diable. Même bien qu'on est comme ça. Alors, on va prendre précaution. Max, tu trouves normal qu'on n'ait pas de nouvelles de Mélissa depuis tout ce temps? Je ne veux pas revenir sur ce sujet. Comment ça? C'est de notre fille qu'il s'agit. Ma réaliste ne parle pas sur ce temps. Je ne la considère plus comme ma fille. Mélissa nous a désobéis et elle ne remettra plus les pieds dans cette maison. Et rien ne fera revenir sur ma décision.
Vous vous souvenez de ce vieux personnage à côté? Tout ça, c'est à cause de lui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tout a basculé depuis que cet illuminé s'est mêlé de la vie de Mélissa. On va le montrer une seule fois, personnage sans couleur. Que puis-je faire pour toi, mon fils? J'aimerais que vous m'aidiez à retrouver Mélissa, s'il vous plaît. Mélissa, mon jeune ami, est à Marigot. Il n'y a vraiment pas de place pour elle. À Marigot? Comment est-ce que vous avez pu lui conseiller d'aller jusqu'à Marigot? Vous vous imaginez tout ce qui peut lui arriver là-bas? À ta place, je m'inquiéterai plus de ce qui peut t'arriver. Tu n'es pas plus en sécurité qu'elle, là où tu es. Et félicitations, mon fils. Vous formez un couple parfait. Mélissa est une fille bien. Dans un moment difficile, l'on pas ouais ni devant, ni derrière, bon seul mot de passe. Jésus sauvé, pas jambier. On sûr de sortir. Hein? Si pour me pisser passer ça, on te met je t'aime, qu'on aime pourri. Ah. On allait, ça gagne encore. On allait, allait. C'est pas moi qui mène ici, hein. Anel, c'est pas pour vous, chéché. Anel, vous regardez. Pourquoi là? Y'a pas tellement de bureau depuis hier, c'est ça, vous et maman. Vous pensez que je vais continuer à le travail, partager le même bureau avant, pendant quoi que m'impliquer dans la tentative d'assassinat contre vous? Mon cher Brélé, on finit d'expliquer, me comprendre. Même si tu es combat, hein. On n'a pas de jambes qui ton femme fait le fait, ça le pas envie fait. Ensuite, pour Maggie, j'ai été mis au courant. J'espère que son âme ira au ciel. T'as toujours pas de nouvelles de Mélissa? Non. C'est justement elle que je m'apprête à aller chercher. Bye. Oh! Solange.
Oh, gardons le monde. Mélissa, bonne nouvelle. Ou. Nous là. On va la game la bataille là. Et puis, je ne vais jamais encore. C'est pas faute, mon Solange. Mission prend tout le temps. C'est ça que je me dis avant de m'entrer pour le prince. Faut me venir. C'est bien, non? C'est bien, ça. Ou ap dormi avec ma soeur? Je ne suis pas capable, Solange. Faut oh. Monter pour le prince demain. Oh, oh. Mais ou ap manger avec? Pas un problème. Je suis bien content. Piti, j'ai besoin qu'on prie. Montrez-moi prier, non? Petit amour, vous connaissez moins qui domine les zones, non? Depuis c'est moins qui l'en zone, non? Tout l'en Jésus. Depuis vous parlez en Jésus, vous avez besoin blanche. Soulange, ou pas qu'on doit faire comme ça? Ou pas qu'on doit ça, non? Chaque monde libre pour choisir conviction. Oui, mais encouragez moun faire bien. C'est tellement grand, c'est tellement belle. Méchanceté avec malhonnêteté, pas mérité aucun effort. Oui, Soulange, mais chaque monde libre. Bon, nous faisons un là. Comment on est là encore? Annette! Annette, viens me parler! Ma tante Solange, monsieur la couille, là, yo, pour maman, yo, pas jamais tourner avec. Ou Jésus de Nazareth, m'a perdu Annette! Non, ou pas capable. Faut pas oublier, c'est seul Jéhovah qui place du Père Vengeance. Pito, moi, des bon Dieu, secours, Pito. Si vous faites ça, pour contourner la bataille là. Pour faire mes radios. Mon cher, musique ça rappelle de mauvais souvenirs, c'est vrai. Je vais compter. Mon cher, époque événement, a fait complot magique contre eux. Et quand tu gagnes sur quartier à ma petite et sans succès, il est mis au téléphone un jour et puis il dit moi, Alex, je suis toute seule à la maison et je m'ennuie affreusement. Viens donc passer un bon moment avec moi. Pas besoin de jouer, je vais chercher en l'air. Je courir, je descends en escalier à ma journée. Et puis c'est juste ma musique ça me tape pour donner. L'esprit me bouleversé, attendez. Et puis mon cher, devinez sous qui est ce mal, pantant qui campait dans mi temps qu'il a attendu. Mon cher, Léon, le tueur, bien mauvais. Pas besoin, ouais. Qu'on saute. Et puis m'avancer sur mon chemin, me dire comme ça. Va-t'en. Mais que je ne te retrouve plus jamais sur mon chemin. Mon cher, m'avancer sur mon chemin encore. Et puis me frapper dans les sommets. Et puis me dire, et puis m'avertir. Si on branche cheveux dans la tête, m'a craché. Ma fille ni où, ni madame. Mais la madame, c'est bien là. Ah, je ne connais pas. En tout cas, comme ça, me dit ça. Comme ça, me dit ça. Non, frère, on te dit. Mon cher, c'est comme ça, moi, je vais un petit coup de pied. Je vais tomber beaucoup de temps là, moi, raconte une histoire. Mais ça, c'est là, pas quoi, moi. Pas quoi. On m'a tout éloué. On m'a tout éloué, et puis. Non, c'est une belle histoire. Tu es venu me chercher? Oui. Comment as-tu su où j'étais?
Je me suis renseigné. Mon cœur ne pouvait plus souffrir. Moi, j'ai commencé à souffrir depuis le jour où je suis partie malgré moi. Eh bien, rentrons. Mettons fin à nos souffrances. Rentrons à la maison. Allons prendre la bagage. Ha 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 ha